Salut! Frank Dussault Fishing. En ce moment, on est sur le bord de la rivière Yamaska. C'est une belle petite soirée, là. Il est 7h15 le soir. C'est très très calme, l'eau est impeccable. Il fait autour de 25-28 degrés. J'ai décidé de faire une petite sortie là, avant qu'il commence à faire sombre. On va faire une coupe de casse. Je vais pêcher avec un petit swimbait paddletail avec un hameçon trio, mais avec un petit poids dessus. Juste faire une coupe de casse. Je sais qu'il y a de la chigan ici. Puis après ça, probablement qu'on va se mettre à la ligne morte. J'aimerais ça pêcher de la perche blanche. Puis je sais qu'ici, il y a du gros barbu. Fait que on va essayer de pogner ça, du gros barbu, tantôt. Là. By the way, je vous fais une vidéo ce soir, une petite vidéo comme ça, tranquille, à ligne morte, parce que la semaine passée, j'étais allé faire une pêche au brochet avec des amis aux îles de Sorel. Une super belle pêche. J'ai pogné du gros brochet. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y avait énormément de vent. Et puis, la vidéo est pratiquement inutilisable. Je vais probablement vous sortir la vidéo sous peu quand même, mais vraiment, là, le son est pas incroyable. Puis, pour remédier à ça, je vous avais tout de suite. J'ai commandé un micro professionnel avec des adapteurs faits pour la GoPro. Puis je vais vous faire une vidéo sur ça aussi, sur l'équipement que j'utilise pour filmer durant mes pêches. Parce que je me fais souvent poser des questions. Fait que, en gros, c'est ça. On se met à la pêche tout de suite. Puis, let's go! J'ai un poisson. Oh! C'est un petit doré, je l'ai échappé. T'as-tu vu ça? Oh, ben j'ai vu qu'il y avait quoi là, mais. C'est mollet, pis d'un. La mort! Une seconde que tu regardes, que je regarde pas. Oh! Un autre beau petit barbu, bien agréable à pêcher. En filet, c'est très bon. Moi, j'en garde pas vraiment. Du barbu fumé et du barbu en filet, c'est très très bon par contre. Là. Yeah! Belle petite remise. Oups. Oh oui. Ça. Ouais, ça c'est un barbu. Ça, un autre beau petit barbu. Ah! Ça fait deux fois que je fais la même affaire.
Elle est vraiment petite! Oh, elle est petite! Yeah! Yeah! C'est de la petite. Ça, c'est de la petite. Bye bye! Double up? On l'a pas? Yep. Encore une fois, un beau barbu, celui-là, je l'échapperai pas. En ce moment, les petits barbus sont sortis, ben, ils sont corrects, là. Ils sont agréables à pêcher, c'est quand même un poisson qui est combatif. Mais vraiment, l'année passée, on en a pogné, là. Il y a une soirée, on a fait 6, 7, 8, 10 livres. On en a pogné plusieurs comme ça dans la même soirée. C'est vraiment ça qu'on espère prendre ce soir. On va voir qu'est-ce qu'il y en a, là. On continue de pêcher, le soleil est presque couché, bientôt ça va tomber pas mal sombre. C'est pas mal la meilleure heure pour pogner du gros barbu. Quand le soleil est couché. Fait que, yes sir. Surprise de la soirée, un beau barret, un très petit barret, lui je vais le remettre à l'eau. Quand j'en prends des gros, j'aime ça les garder parce que c'est excellent à manger, vous l'avez vu dans mon dernier vidéo, dans un de mes dernières vidéos. Mais lui, je vais lui donner la chance de grossir encore un peu. Alors un beau petit barret. On tourne à la mer. Yes, bon ben that's it. Je suis revenu chez nous hier soir. On est revenu chez nous, c'était beaucoup trop sombre là, sur le bord de l'eau, on voyait plus rien. Fait qu'on a arrêté, notre pêche. On a quand même pris beaucoup de barbus, une bonne 12-13 barbus certains. On a pris aussi de la perche chaude, du barret, la perche chaude, le barret, on l'a pratiquement tout remis à l'eau. On a gardé seulement les prises qui étaient plus sérieusement blessées. Là. Je ne remettrai pas un poisson mort à l'eau, je suis pas d'accord avec ça. Fait que, en gros, c'est ça. Je vais vous sortir la vidéo de brochet, de pêche au brochet, filmée la semaine dernière. Aussi, comme je vous ai mentionné plus tôt en début de vidéo, c'est que le son n'est pas terrible. Là. J'ai vraiment des problèmes avec le vent. Fait que j'ai commandé du nouvel équipement. Dès que le nouvel équipement est rentré, je vous fais aussi une vidéo sur l'équipement que j'utilise. J'ai reçu plusieurs questions à ce niveau-là. Fait que je vais vous présenter ça si ça vous tente de vous mettre à faire des vidéos, vous aussi. C'est un bel investissement, c'est une belle passion. Puis sinon, ben, keep fishing. On se revoit super bientôt. Salut, à la prochaine.